Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam et de Younes. Salam la famille, aujourd'hui grosse vidéo. Myriam va avoir 50 euros pendant 24 heures. On va voir si Myriam est capable de gérer toute seule de l'argent. On va te passer un billet. Tu fais ce que tu veux. Yacine et moi, on sera avec elle. Nous, par contre, Yacine, on a budget illimité. Oh, à partir du moment où t'as de la barre. T'as budget illimité. À 10 ans, t'as déjà 50 euros, c'est déjà pas mal. Mais les abonnés, dites-lui, on lui passe 50 euros gratuit, elle est pas contente. Mais ça, c'est du favoritisme, comment ça? Non, vas-y, on va voir comment tu vas gérer ça. En fait, je t'achète rien. Younes, réveille-toi, c'est le moment de sortir l'argent. Younes, qu'est-ce qu'il y a? Younes. Et il est fatigué, Myriam. Il est fatigué. C'est le moment de donner l'argent. Est-ce qu'il t'a donné l'argent? Non. Il t'a toujours pas donné 50 euros? Myriam, tu vois pas qu'il est fatigué, laisse-le. Il sait juste pour pas sortir l'argent. Oh le rat, mais c'est grave. Mais sors l'argent, frère. Mais pourquoi c'est moi qui dois lui donner? Parce que t'es le plus grand. Mais lâche le billet. Lâche le billet. Regardez comme font les anciens. Les gars, aujourd'hui il pleut. Hey, j'espère que tu vas pas nous faire perdre notre temps. Non, hey, gère ton argent. Tu vois un truc 60 euros, 60 c'est plus grand que 50. Oh, je peux pas l'acheter. On va commencer par un truc gratuit. C'est vrai qu'il y a des trucs gratuits, c'est vrai. T'inquiète. Mais non, mais Myriam, il pleut. Non, tu vas pas aller sur le trampoline. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a de l'eau partout. Oh là là, les gars, je crois. J'aurais pas dû lui confier 50 euros à elle. Donc on mais va c'est gratuit. Par boulanger. Bien évidemment, il y a des plays. Mais on va juste voir ce qu'elle va acheter. Ah, c'est mouillé. Les gars, je sens que cette journée va être dure. Donc je vais commencer à me détendre. Vas-y, c'est moi qui te fais le massage. Pour la vidéo. Attends, comment ça, on fait? C'est un fauteuil. Il coûte combien ce fauteuil, Myriam, s'il te plaît? Tu peux peut-être me l'acheter. Il y a pas le prix, c'est mauvais signe. Tu me l'offres? Non. Bon, vas-y, va faire tes achats. Moi, je t'attends là. Non. Tu es obligé de venir? Oui. Les gars, ça peut être pas mal, regarde. J'avoue, il est petit. Et celui-là il est trop bien. Regarde celui-là comment il est bien. En plus il est avec petit le comme stylet. Un stylet carrément. Comment ça il est petit comme moi là? Respecte-moi aussi. Non mais hein. T'as pas encore grandi. Mais regarde le prix. Oh non, 899 euros. Eh les gars, moi je vais me lancer dans un PC comme ça. Après on pourra faire des bêtes de live sur YouTube. Ah ouais, tu veux te faire un petit setup? Ouais, comme ça mais après. T'expliques, t'as que 50 euros. À la rigueur, tu peux t'acheter le casque. Le casque il coûte combien le 19 euros le casque. Oh le PC il coûte 899 euros. Le PC il coûte 19 euros. En vrai, tu peux te prendre un casque pour commencer ton setup. Non. Mais pourquoi? Moi c'est soit l'écran, soit rien. Bah frère. En plus, regarde. Le clavier, il est grave stylé, il fait des couleurs. J'avoue. Mais les gars, si vous voulez que Myriam fasse une vidéo où elle a 24 heures avec 2000 euros, oh, mettez 10 000 likes et on revient là, tu prends un setup. Attends, mais regarde, j'ai pas assez, c'est 2899 avec 4000 euros. 4000 euros, il faut 10 000 likes. Les gars, mettez tous un like et je vous ferai peut-être une surprise si vous mettez tous un like. Peut-être. Vas-y, je prends l'engagement. Vas-y. 10 000 likes, 4000 euros. Oh Myriam, prends-nous une télé pour la maison. Ah, j'avoue, c'est trop cher. Oh non, 7 euros, il y a marqué 7 euros. Commence pas, les gars. 7 euros et 8 centimes. Je sais pas les gars, elle va prendre des télés, des ordinateurs, elle a que 50 euros. Tu peux pas prendre des télés. Non, ça va en vrai, c'est 490. Je crois qu'on va reprendre l'argent, on va annuler le défi si tu te concentres pas. Ma journée est 4000 euros, 489, une télé. Ouais, mais là on est à 50 euros, donc prends des articles s'il te plaît, vas-y, moi je vais voir la télé. Ouais, non, lève-toi, tu crois que tu vas nous arnaquer comme ça? En plus, c'est pour regarder des singes. Ça va pas des singes, respect. Gars, pour mon premier achat, j'ai bien fait mon choix et je vais prendre une carte de PlayStation. Ça, les gars, franchement, chapeau. Elle fait un très bon premier achat, il va lui rester 40 euros. 10 euros. Tu vas mettre ça dans la paye pour acheter quoi? Me dis, s'il te plaît, me dis pas le passe de combat. S'il te plaît, si, le passe de combat. Oh, Younes, c'est gratuit. Attends, je vais le tester. Oh, je te jure, je vois un truc. Younes, je te jure, je vois. Mais mets ta tête, je te jure, je vois un truc. Tu vois quoi? Mets ta tête. Vas-y, on voit que du nom. Mais si, je te jure, je vois un truc. Là, j'ai fait une affaire. Il me reste 2 billets de 20, il me reste 40 euros. T'as vu comment ça va vite? Ouais. Donc là, moi, je te conseille de trouver quelque chose à graille. Ah parce oui. Que si t'attends après, tu vas acheter. Tu sors. Le sucre. Ça va par là-bas. Du sucre par ici. Là-bas. Ok, on y va. Je sens, les gars, vous sentez pas à travers la vidéo, mais moi je sens. Je crois que c'est au camion là. Il y a du sucre. Myriam, tu sens ou pas? C'est vers le camion. Viens. Tu sens toi aussi? Oui. C'est bébé démon et maître démon. Ouais, c'est au camion. Je crois qu'on peut aller s'acheter des trucs. Oh, incroyable, les gars, yes. Par contre, j'espère que c'est pas 40 euros. Hein. Ah oui, j'espère aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? On est protégé de la pluie. On a des gaufres. Ah, bah, il y a des gaufres. Bonjour, monsieur. Tu veux prendre quoi? Excusez-moi, je suis en train de faire un vlog pour ma chaîne, ça vous dérange pas si je filme? Pas vous, hein, au pire, je me filme que moi. Merci. Tu veux prendre quoi, le gaufre? Alors, on va vous prendre une gaufre. T'as Nutella, caramel, spéculoos, bueno, tu veux prendre quoi? Bueno. Gaufre avec Kinder Bueno et du Nutella. Tu veux pas d'autre chose? Du Pepsi. Ok, un Pepsi en boisson. Ce sera tout, merci. 7 euros. En vrai, ça va, 7 euros, ça va pas te tuer ton budget. 40, 39, 38, 37. 32 euros ou 33 euros? La commande est prête, je vais aller la chercher. Vas-y. Non, je vais la chercher avec toi, t'es non, malade. T'inquiète. À mon avis, ça va être grave beau visuellement, ça va être grave beau. C'est bizarre. Younes, tu t'es pas pris de gaufre à toi? En fait, moi, je vais vous expliquer. Soit je prends 5 gaufres, soit j'en prends pas. Donc, prends ta gaufre, c'est ton 24 heures. Par contre, le prochain magasin, je pense que je vais m'acheter un truc. Quoi? Un petit Pepsi. T'en penses quoi de l'aspect visuel? Elle est comment la gaufre? Je viens de le dire, hein. Elle est magnifique. C'est waouh, ça éclaire les yeux. On va aller dans la voiture parce que là, il pleut. Donne-moi. On va dans la voiture. Comme comment on va faire pour passer ce périple? Oh, les gars, regardez, elle est grave belle la gaufre. J'ai envie de taper un croc dans le Kinder Bueno là. Les gars, il m'a donné des couverts. Il s'est pris pour qui? Moi, je mange pas au couvert. Moi, c'est au doigt directement. Quoi? Bah, bien sûr que oui. Moi, t'es une dégoûtante.
Waouh. Ah, c'est les gaufres croustillantes, c'est pas les gaufres moelleux. Parce que ça doit, ça sort du four. Une dégoûtante de fou. Alors, c'est comment? La gaufre, le pain, il est si fondant. Le chocolat, c'est du bon Nutella chaud. En plus, elle est toute chaude, elle vient de sortir du four. Maintenant, on va goûter le Kinder Bueno. J'ai un message à faire passer à tous les enfants qui me regardent. Profitez que vous êtes petit, que vous pouvez manger ça tous les jours. Profitez la famille, parce que quand vous allez grandir, c'est fini ça. Tout ça, vous pourrez plus le manger, c'est fini. Seuls les grands pourront comprendre. Si Younes, tu vois, il mange toujours des trucs comme ça. Mais Younes, il peut pas manger, le pauvre. Les gars, le problème de Younes, c'est quoi? C'est qu'il va taper un gros, et après, c'est soit il joue au Wallah, soit après, il mange tout. Et c'est le combo. Gaufre plus truc. Ça peut être une dinguerie. Waouh, elle a tout eu là. Là, t'as tout eu là, non? Non. Wesh, par contre le prix 7€ la gaufre, je voulais pas parler hein. Et... Non, c'est quand même cher hein. On est au Qatar ou... Super cher wesh les gars. On est en Amérique ou c'est comment là? Moi j'aurais déjà un prix pour cette gaufre là, j'aurais mis 1,50€, c'est bien 1,50€. Ouais, je t'abuse, moi j'aurais mis 2€. C'est 2€. Trop 7 balles ouais. Les gars là il me reste à peu près 32 ou 33€. Là en vrai faut pas que j'achète des trop gros trucs, faut pas que j'achète du genre des PS5. Je vais acheter des petits jouets, des trucs comme ça. Hein. 1 hour later. Toujours pas fini? Wesh, c'était une marmotte, toi, c'est pas possible. Eh les gars, j'entends, je jure qu'à Intersport, il y a des soldes. Ah ouais? Ouais, peut être grave bien, on va trouver. Ah, je te dis la vérité, hein. Ah. 32-33€. À Intersport, ça m'étonnerait que tu trouves quelque chose de bien. Ça après, s'il y a des soldes, en vrai, faut aller voir. Oh là là, les gars, Mireille, mais c'est pas si j'irais son argent, tu t'es fait arnaquer. Ouais. Oh, regardez, un sandwich au choix, plus un donut, ou un cookie, plus une boisson, 5€ à la boulangerie, 4 produits. Là, elle a eu une gaufre à 7,50€. Ah là là. Avec là, une là, boisson, là, là. Avec un Pepsi dans ma poche. Tu t'es fait arnaquer, je suis désolé. En plus, t'as attaché partout ton truc là. Oh là là. Au moins, c'est bon. Étant donné que Younes et moi on a budget limité, moi excusez-moi de vous déranger mais c'est mon rayon ici, ok? Donc là on a quoi? On a... Mais alors regarde. Ça va être bientôt l'été, tu connais? Regarde. Laisse-moi parler toi. Ça va être bientôt l'été, tu connais? On a des maillots comme ça que je trouve super beau, mais il pleut toute la journée. Regarde, du coup, regarde. Non, ça m'intéresse pas. Du coup mais c'est pas rentable. Il a aucun goût lui. C'est pas rentable. Il a des goûts de Doberman. Moi je vous dis la vérité, mon coup de cœur. Oh là là là. Mais regarde, il propose des trucs à la Francis. Viens voir ce pull. Ce pull il est méga. Toi tu parles beaucoup que t'as ta gaufre à 7,50€, là tu t'es fait arnaquer. Il propose des trucs de Paris. Ok, vas-y. Moi je vais trouver un truc, on va voir si c'est bien ou pas. Ça, tu vas me dire que c'est pas bien ça, c'est sur là Sergio Tacchino avec le polo. Oh là là, tu t'es mais pris pour une voiture. Rien, tu t'es pris rien. Pour Cars McQueen ou quoi? Truc de voiture. Ouais, c'est bon, j'abandonne. Vas-y, va conduire une voiture de course au lieu d'acheter des trucs de voiture de course. J'ai trouvé une pépite, regardez-moi ça. Ah, moi aussi, ils sont pas incroyables. C'est combien? En gros, c'est les nouveaux crampons de la Coupe d'Europe, Euro 2024. En plus, il y a ma taille. Non, mais toi, t'as 50€, tu peux pas aller plus là, les stylés. Ah non, mais là, c'est le logo d'Auchan encore. Là, tu vas me sortir une double. Les gars, c'est quoi cette canette de Wish? Regardez. Yacine, regarde la canette. Donc t'as payé 7,50€ avec une canette qui s'ouvre pas. Décidément, t'es la reine de l'arnaque, toi. On peut pas faire plus. Et les gars, c'est fait, mais et toi, on en parle que tu voulais acheter un maillot de Lidl et des crampons de filles. Oh, ça, c'est les nouveaux maillots de l'année prochaine. Tu l'as, sans vouloir être vexé. Je trouve incroyable, celui-là. Sans vouloir vexer, hein, c'est la mer portrait craché. On dirait l'océan, le truc. Celui-là, je trouve beau. Celui-là, j'aime pas trop. Celui-là, il est super beau. Waouh, regarde, Myriam. Ose me dire que celui-là, il est pas beau. Ose me dire. 139€. T'as budget illimité, toi. Qu'est-ce que tu me parles? Peut-être qu'il est pas à mon budget, mais au moins, je peux le tester. Regardez, les gars, il est pas grave stylé. Filmé, je te profite d'une séance gratuite, j'ai le droit. Pour une fitness comme moi, il est grave stylé. Oh, j'arrive à porter combien de poids jusqu'à quoi que j'arrive à porter? Ton corps de microbe, mais oh là là. Oh, je suis sûr que t'es pas capable de porter ça. Ça, 20 kilos, je crois que je suis pas capable. Ouais. De faire une comme ça. Voilà, oh. La preuve, il est pas capable. Oh, j'avoue, ça va être chaud. Ok, t'es prête? Vas-y. Je suis en stress. C'est lui qui en fait le plus. Ok. 1, 2, 3, 4. Mais j'ai 20 kilos là, 3 kilos après. Je veux pas dépenser vu que je suis une grosse rat. Regardez, 1€. Allez, Younes, t'es chaud vu que c'est que 1€, tu me l'achètes? Non. Mais du coup, bilan de la vidéo, je suis trop content, les amis. Mais les gars, je suis choqué, il a pris un truc à 200€. Moi, j'ai pris un truc à 1,99€. J'ai pris deux maillots, je vais vous montrer. Regardez, maillot de l'équipe du Portugal. Hey, c'est qui le meilleur joueur du Portugal? Ronaldo. Fais sa célébration devant tout le monde. Si. Voilà. Et le maillot de l'équipe de France, parce qu'on soutient aussi l'équipe de France. C'est qui le meilleur joueur de l'équipe de France, Myriam? Mbappé. Fais sa célébration. Voilà. Ça, elle a pris ça 2€. Wesh, attendez, attendez. Maqué encore. J'allais perdre 2€ là. Sinon, regarde, ça coûte 30€. Un baby foot. Mais va de l'autre côté. Vas-y, viens, enfin, un attends, VS. Attends, vas-y avec ça. Mais non, il y a une balle là. Ouais, un VS, t'es prête? Ok, moi je suis les rouges, toi t'es les jaunes. Ouais, c'est parti, attends. Let's go. Si okay, tu mets passe. Un but, si tu mets un la but. La frappe. Ouh, t'as eu 25 ans et tu te mets sur ça encore? Vas-y, sors de là. Alors, en plus, ça coûte combien? T'as même pas assez, ça coûte 34€. Non, c'est trop bien. Ouais, mais t'as pas assez, sors de là. Oh, regarde, 20€, Myriam. En vrai, pour notre terrain de foot, dégage, en vrai de vrai. Vous voyez, Yacine, il bronze que quand tu vas en vacances. Vas-y, achète des gants de boss, on va se battre. Non. Ah, ouais, mais t'as pas assez. Oh, les gars, on a trouvé le chapeau. Est-ce qu'il parle vraiment? T'en mets-le sur ta tête. Quelle école est Myriam? De Poudlard. Ah, ça, c'est grave bien le bouclier. Il coûte combien? Non, vraiment, celui-là, on le prend. Mais si, il coûte 1€. Si, il coûte 1€. Chem, il n'y a pas de prix, c'est gratuit peut-être. Non, quand il n'y a pas de prix, je vous l'ai dit, les gars, la règle d'or, quand il n'y a pas de prix, c'est que c'est trop cher. Oh, regarde l'écharpe de Harry Potter. Ouais, ça c'est incroyable. Ici, c'est tout le modèle Harry Potter. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec tes 30€? Une petite mitraillette. Non, après, quand je vais dormir, tu vas me lancer des mitraillettes, c'est pas la peine. Impatient de savoir ce qu'il y a à faire pour 30€, oh, les gars. Mais on dirait les vrais trucs dans les films. 19€. En vrai, je pense que je vais pas dépasser mon budget dans ça. Les gars, je trouvais le vrai lama de Fortnite. Attends, mais peut-être.
Il y a des surprises à l'intérieur. Oh, mais les gars, vous savez qu'en plus, ça atteint pas mon budget parce que moi, j'ai 34 euros, ça fait 20. Elle a 23 euros et en plus, je pense que c'est pas tous les mêmes. Donc, il faut que t'en choisisses un parmi tous ceux-là et je pense qu'il y a des trucs à l'intérieur. Choisis bien, secoue, okay. Choisis bien. Attends. Moi, c'est toujours ceux du milieu ou ceux de la droite, les gars. Non, celui-là, il est malade de vie. Ouais, celui-là, il a l'air de. Oh, celui-là, pas mal. Celui-là, il est rempli. Celui-là, t'es sûr? Ouais, la mat Fortnite, les gars, on part sur ça, moins 22 euros. Pas à peu près 7 euros, les gars. Ok, à 7 euros, je pense que je peux acheter encore un. Vas-y, par contre, si tu te fais arnaquer, oh là là, j'aurais trop la rage. Myriam, c'était le faire arnaquer. En plus, regardez, 150. Vas-y, go découvrir ce qu'il y a dedans. Les lamas de Fortnite, d'habitude, il y a des munitions, il y a plein de trucs. Non, d'habitude, il y a des scars. Ouais, il y a des scars, des trucs de ouf. Imaginez. En vrai, je sais pas ce qu'il peut y avoir. Imagine, dedans. Y a une carte de des mini skins. Qu'il va y avoir. Oh, il y a grave des trucs. C'est quoi ça? Pourquoi il y a que du papier? Hein? Ah non, il y a des figurines dans ça. Ah non, non, en fait, c'est des mini-figurines. J'ai rien dit, les gars, il y a des mini-figurines. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? Quoi? Du papier? Mais c'est quoi ça? Ouvre-en une autre, ouvre-en une autre. Oh, c'est le truc là, comme si tu voles, tac. Ouvre-en un dernier, s'il vous plaît, pas une arnaque. Prends le gros, voilà, celui-là, il y a un gros truc. Oh, celui-là, c'est un banger, je crois. Oh! Il est rare celui-là sur Fortnite. Non, il est pas rare. Faudrait avoir la banane pour qu'il soit rare. J'avoue, les gars, vaut mieux acheter tous les lamas et avoir des trucs rares. Oh, non, c'est celui qui a le médaille. 17 euros. Oh, wow. Les arnaqueurs Fortnite. On s'est fait avec votre passe de combat, on dit rien. Vos skins, on dit rien. Et maintenant, des lamas où il y a du papier. Regarde, pour le bilan, il me reste 7 euros. En vrai, je pense qu'on peut aller voir s'il n'y a pas des trucs. Tu penses où on peut aller? Avec 7 euros, tu peux prendre que de la graille. Jouer, c'est mort. Abby, c'est mort. Jeux vidéo, c'est mort. Ah ouais, un menu enfant, en vrai. A few moments later. Avance! Ouais, doucement, y'a personne devant toi, tu cries sur qui? Ah ouais, désolé. Eh, tu vas péter un cap le loot qu'elle a eu, Myriam, dans le lama. Mais elle s'est fait arnaquer que tu mets le loot de quoi? Vas-y, montre-lui, Myriam, montre-lui. Elle a eu une scar en or! Ouais! Peut-être que tu peux la revendre, la scar en or. Myriam, revends-la, Myriam, revends-la, revends-la. Moi, j'avance 1€. Mets-la sur le bon coin. Tu fais comment pour mettre les points PSN? Tu sais pas mettre les points PSN? Non, sur Roblox. Mais je crois que sur ta Play, ça va pas marcher, faut que je les mette sur ma Play. C'est faux, arrête de mentir, tu sais que t'es un menteur. Younes, dis-lui. Moi, je veux pas participer à cette connerie, Yassine, arrête, aide-la, Miskena. Donc en gros, il faut craquer le code, regardez, le code il s'affiche ici. Arrête de leur montrer! MMC. Si vous voulez le rentrer avant Myriam, je vous laisse 30 secondes, allez-y. Allez-y, je vous laisse rentrer le code. Regarde, la dernière fois j'ai acheté une carte de Robux et j'ai rentré le code et après ça marchait pas parce que quelqu'un l'avait déjà utilisé. En plus Yassine il l'a donné sur YouTube. C'est pas moi. Mais c'est pas moi. Que ça va marcher les gars. Je te jure Yassine, ça marche pas. 40 euros. What? Mais c'est mon porte-monnaie. Comment il y a 40 euros? C'est mon porte-monnaie en fait. Comment ça il y a 40 euros? T'es sur mon compte là. Mais utilisé. T'es sur mon compte. Non, je suis sur mon compte. Non, t'es sur le mien. Non, je suis sur le mien. T'es sur le mien. Je suis sur le mien. Comment? Attends. Ah oui. On avait fait un défi. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque. Elle a 40 balles. On avait fait un défi en live TikTok. Elle avait gagné 50 balles. Waouh. Mais achète un jeu, frère. Achète un jeu, frère. Mais non. Mais achète un jeu. Mais j'ai trouvé quoi? Un jeu des anciens. Sonic. Ouais. Tu vas prendre ça. Regarde, en plus, tu peux faire grave des aventures. C'est mis trop bien avec Sonic. T'as trop rentabilisé le truc, Myriam. Bah dégoûte-toi. Et du coup tu as mangé quoi tout à l'heure? En vrai j'ai bien envie de manger un fast food à 7 euros. Un fast food à 7 euros? Il y a point B. Il y a Quick aussi. Non point B pizza, c'est moins cher. Ils font des Big Mac et tout, vous allez péter un câble. Pour 7 euros j'ai pris chez point B, il y a marqué sans doute. Sans aucun doute, c'est les meilleurs burgers. Faudrait d'ailleurs qu'on fasse une vidéo exclusive à point B, on va là-bas, on teste toute la gueule. Tu dis ça juste pour manger? Oui, ben je l'assume, Dans cette vidéo, j'ai rien acheté. Donc là, on va sortir toute la carte. Ah, merci, elle m'a donné mes 7 balles. On a une petite frite, bro. Oh. Ok, ça c'est normal, c'est gratuit. Oh, carré les sauces. On a sauce algérienne, sauce. Et sauce Biggie Burger, hein, sauce blanche. Sauce mais... orange. Mais tu sais pas lire, retourne à l'école. Ouais, c'est Naruto. What? Est-ce que ça aura le goût de Naruto? Est-ce qu'on aura la puissance de Naruto? Wesh, c'est lourd ça pour 7 euros. Attends, c'est une blague. Faut que ça voit un truc. Ouais. Un Big Mac. Ça voit un truc. Tu veux m'avouer quoi? En fait, j'ai payé 10 euros. T'as payé 10 euros? Elle a raté de 3 euros. Non, elle a pas raté. Tu lui enlèves la canette et c'est bon, c'est carré. Non, si c'est vrai. Non. Bah, désolé, pas de canette. Non. Pas de canette. Ou alors? T'enlèves le burger. J'enlève la sauce blanche. Okay, ouais, mais c'est pas 3 euros une sauce. Mets les frites, on va goûter ça à la famille. En tout cas, moi, je pense pour Myriam, c'était la première fois de tout YouTube sur notre chaîne qu'elle a testé de faire 50 euros pendant 24 heures. Bah, non, c'est bien sorti. Sauf que tu t'es fait arnaquer. Pour les gaufres, t'as payé 7 euros. Mais je pense que c'est la première fois. Moi, je pense qu'on a fait pire. Je pense que j'ai fait pire. 7 euros une gaufre. Vous imaginez, ça fait la même chose que. Eh, hey, on veut un croc dans le burger là. Ouvre la canette. Voilà, je la laisse refroidir. Bismillah. Ah oui, c'est vrai, parce que sa canette tout à l'heure elle s'est cassée. Bismillah. Les meilleurs burgers, ils ont du point B. On va voir ça. Non, t'as pas le droit, t'es un ouf toi. Myriam, s'il te plaît, dis-lui. C'est mon argent. Oh, c'est moi qui t'a donné, c'est mon argent. Et alors, c'est quand même à moi. Wallah, je mange pas. Aïe, 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 il a fait le serment. Les gars, on va faire un combo. J'ai tellement l'habitude, je suis dans ma cuisine, j'ouvre les tiroirs, je vois des trucs comme ça, je fais. Wallah, je mange pas. Et du coup, c'est. Mais attends, mais t'as pas dit qu'est-ce que tu pensais du burger. Promets,
Mais j'ai déjà goûté un Big Mac en Turquie. La même chose sauf qu'il y a plus de consistance. C'est, ça c'est mieux qu'un Big Mac. Oui. Non. Si. Je te crois pas. Si tu me crois. Teste la sauce B algérienne, sauce introuvable en Algérie. Introuvable. Mais pourquoi elle s'appelle l'algérienne alors? Je sais pas pourquoi elle l'appelle l'algérienne. On n'a pas trouvé l'Algérie. On a été partout, on n'a pas trouvé en Algérie. C'est une dinguerie la sauce algérienne. Ah, pourtant elle est tellement bonne. Là-bas ils ont la sauce gruyère. Oh là là là. En vrai, qu'est-ce que t'aurais pu améliorer dans tes 50 euros? Dans mes 50 euros? La gaufre, ouais, t'aurais dû aller à Lidl, t'aurais pris. Yacine, une boulangerie à 7 euros, elle aurait pris toute la boulangerie de Lidl. Raconte, qu'est-ce que tu me parles de Lidl? Là, on parle de gaufre. Mais alors là-bas, c'est mieux, t'as des pains au chocolat. T'as, juré que tu mangeais pas? Arrête! Ah, m'a croqué le doigt. Ah, tu manges le doigt, Younes. Ah. En tout cas, les gars, Yacine, il s'est mis super bien. Regardez, il s'est pris des maillots. Si vous voulez qu'elle fasse le 24 heures, il faut que j'aille trouver un deuxième travail. Il faut que tu demandes. Oh, t'as qu'à te vendre. Vous avez qu'à mettre 9999 likes et vous mettez pas 10 millièmes. Non, non, non. Vous allez tous mettre le 10 millièmes et peut-être vous ferez un cadeau et vous allez voir. Vous n'allez pas être déçus. Wesh, 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 wesh. Les gars, oubliez pas de liker, s'il vous plaît.